En France, 4 personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Paris. Parmi elles figure une adjudante de la gendarmerie dont le compagnon aurait été en relation avec Amédi Coulibaly peu de temps avant les attentats. Amédi Coulibaly avait tué une policière à Montrouge. C'est lui ensuite qui avait mené l'attaque contre l'épicerie cachère de la Porte de Vincennes, au cours de laquelle 4 personnes avaient trouvé la mort. La gendarme, convertie à l'islam, avait été suspendue de ses fonctions le mois dernier. Elle travaillait au fort de Rosny-sous-Bois, un centre du renseignement où son compagnon aurait eu accès, selon le Canard enchaîné. Cet homme avait été arrêté le 23 janvier dernier pour une autre affaire, mais n'avait pas encore été interrogé dans le cadre de l'enquête sur les attentats.